Bonsoir. Ce soir, dans Rencontre, je reçois Philippe Lacasse. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Philippe est atteint d'une maladie rare appelée la casse-couille-térose, un cas sur 300 en Europe. C'est bien cela, Philippe ? Tout à fait, oui. Alors, comment a débuté la maladie, Philippe ? Ça a débuté avec mon beau-frère, quand il essayait de faire un château de cartes. Je lui faisais tomber avant qu'il termine. Après, ça a continué avec ma femme. Je lui faisais des frites pour un oui, pour un non. Je me suis rendu compte. Alors, je suis allé voir les médecins. Ils m'ont dit, vous êtes casse-couille. Ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours. Ah non, surtout au travail. Je me suis fait virer à cause de ma maladie. J'ai fait un pistache à mon directeur de région et un chabit à mon collègue. Je comprends. Ouais, Votre femme a quitté le foyer pour aller vivre avec un vendeur de cheminée. Vos enfants portent des shorts en jean. Vous avez voulu leur adresser un message ce soir. Hein. Voilà. C'est notre rubrique message personnel. On écoute la chanson que vous avez choisie. Oui, c'est pour eux. Espagnol, ascendant Gémeaux. Italien, ascendant Taureau. Portugais, ascendant Balance. C'est l'Europe qui avance. Comment essayez-vous de combattre la casse-couille-térose ? J'essaie de ne pas y penser, je dois regarder tous les soirs télématin. Alors, j'imagine que... Arrête tes casse-couilles, la merde ! Pardon. Ça va, j'ai l'habitude, c'est pas grave. Vous avez peur d'accrocher les tableaux, vous n'avez pas compris le dernier Paul Lou Sulitzer. Appelez-nous et venez nous en parler dans Rencontre. Bonsoir.